Je vous propose aujourd'hui un blues en mi, vous allez certainement lever les yeux au ciel, vous allez dire « Ah, encore un blues en mi, on en a marre ». Alors attention les gars, le problème c'est qu'on a tous tendance à jouer systématiquement la même boucle sans arrêt. Alors il y a vraiment moyen d'enrichir ça et je vais vous montrer un petit ingrédient secret pour y arriver. On a deux croches avec la corde demi-grave en swing. La première des choses pour créer une petite variation, c'est d'avoir un motif rythmique un petit peu plus varié que simplement jouer toujours de la croche swingée. Vous allez ensuite jouer la troisième case avec un hammer-on vers la quatrième. Attention, c'est le Mi, la note haute, à la deuxième case, corde de Ré. On fait encore deux fois la corde à vide et on va faire ce petit slide, soit avec le petit doigt. Donc moi je fais 5, 4, slider avec le petit doigt. Vous pouvez faire avec le doigt numéro 3. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. Vous voyez que ça sonne déjà beaucoup mieux. Maintenant, ce qu'on va rajouter, en fait, c'est une deuxième voix, une espèce de réponse d'une deuxième guitare à la première. Qu'est-ce que ça veut dire? On va rejouer la première partie de la rythmique à l'identique, mais à la fin, au lieu de faire, eh bien on va faire... Je vais accrocher avec ces deux doigts-là les cordes de Si et de Sol, donc la deuxième et la quatrième. Et je vais faire un hammer-on sur la première case. Corde de Sol, première case, hammer-on. Frappez bien derrière la barrette, derrière la frette. Donc je vais essayer de les claquer un peu avec ces deux doigts-là. 1 et 2, 3 et 4 et 1 et 2, 3 et 4 et... C'est un blues, on décale naturellement en La. Et donc, eh bien, vous n'allez peut-être pas retrouver exactement les mêmes cases pour votre petite variation. Donc, il va falloir un petit travail d'oreille. Et en ce qui nous concerne, ça va être amené à partir de la première et de la deuxième corde, comme ceci. Et cette double note, elle sonne super sympa en fait. Elle forme, pour ainsi dire, un La septième. Ici, je prends la troisième case avec le petit doigt. C'est plus simple. Avec ce doigt-là, bah, en fait, je me rate. Donc... Je ne vais pas prendre le doigt numéro 3, je vais prendre le quatrième doigt sur la troisième case. Le doigt numéro 1, il est sur la deuxième corde. Toujours avec ces deux doigts de la main chevalet, on va claquer. Alors, pas trop fort, hein, faut que ce soit crédible. Et le petit slide vers la deuxième case. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. 4 et 1 et 2, 3 et 4, 1. Ça, c'est la méthode que j'utilise pour écrire mes blues. C'est-à-dire que je vais prendre un motif archi connu et puis je vais rajouter une petite note. Mais au lieu de faire un copier-coller de ce même motif, eh bien, je vais essayer de créer une petite variation qui va se baser toujours sur le même accord. C'est-à-dire que je vais suivre, si c'est un Mi, je vais essayer de retrouver la tierce majeure ou la septième mineure, donc pour retrouver les couleurs. Mais il y a plein d'endroits et plein de manières différentes sur le manche de le faire. Donc ça va être vraiment une façon pour vous de progresser et d'avoir des blues de plus en plus crédibles, de plus en plus colorés et de plus en plus variés. N'oubliez pas de retrouver les partitions complètes, les tablatures au format Guitar Pro et au format PDF de ce petit blues que je vous ai joué au début, comme ça vous allez pouvoir l'apprendre et épater vos amis. Je vous invite à suivre mes playlists, j'ai beaucoup d'autres blues dans ce style-là, donc vous allez peut-être trouver celui qui est pile poil pour votre niveau, des blues super accessibles. Et puis j'ai aussi la playlist des blues électriques. Donc si vous jouez de la guitare depuis un petit peu plus longtemps, on va dire niveau intermédiaire, là vous allez vous éclater parce que c'est vraiment des blues dans le style Steve Ray Vaughan, BB King et compagnie.